C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec le président Tusk et le président Juncker, Jean-Claude Donald, pour ajouter ma signature à l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. En apposant notre signature, le Canada, comme les 28 pays signataires, affirme son engagement à l'égard d'une entente commerciale qui vise à assurer un meilleur avenir pour tous les citoyens. Ensemble, nous sommes arrivés à un accord historique qui protégera et fera progresser le bien-être économique et social de 543 millions de citoyens. Nous prévoyons que cet accord augmentera de 20 les échanges entre les pays partenaires, en plus d'ajouter des milliards de dollars à nos économies. Le Canada est le 12e plus grand partenaire commercial de l'Union européenne. Et l'Union européenne est notre deuxième plus grand partenaire commercial. Mais les liens qui nous unissent vont bien au-delà de la coopération économique. Cet accord est le produit de longues discussions, des discussions franches, mais qui se sont toujours déroulées dans le respect entre partenaires qui partagent des valeurs communes. First and foremost, Canadians and Europeans share the understanding. That in order for real and meaningful economic growth, we need to create more good, well, well paying jobs for our citizens. Progressive trade agreements like the one signed today will do just that. With greater access to European markets, Canadian businesses can continue to grow and create more of the jobs Canadian families need. We know that jobs and competitive, Exporting sectors offer better pay, with wages that are 50% higher than in industries that are not trade intensive. And those are the kinds of jobs we look forward to welcoming as a result of today's agreement. Greater market access, more economic growth, and stronger job creation. That's good news for Canada's middle class and for the communities they call home. Canadians and Europeans also agree that the growth we achieve needs to be more inclusive. The benefits of growth must be felt by everyone, not just our wealthiest citizens. In creating more opportunities for Canadian and European workers, we are charting a path toward an economic future that is both more inclusive and more progressive. The agreement we signed today is also grounded in an understanding. That we need to uphold common standards and respect the public good. That's why we negotiated hard to ensure that it contains provisions on labour protection, responsible investment, food and consumer safety, management of natural resources, and environmental stewardship. Like the Strategic Partnership Agreement, CETA reflects the values and ambitions that Canada and the European Union share. important Je tiens notamment à souligner le travail incroyable de la ministre Freeland, du négociateur en chef du Canada Steve Verhoeven, de la commissaire Maelstrom et de leurs équipes. Je veux aussi reconnaître que nous sommes au gouvernement depuis un an seulement mais les négociations de cet accord euh, ont été euh, sur, étalées sur sept ans. Euh, et le gouvernement précédent, avec qui je n'étais pas toujours en accord, euh, a travaillé très bien euh, pour pousser les valeurs que les Canadiens et les Européens euh, reconnaissent comme étant importantes, cette croissance économique euh, pour tous. Je veux remercier également le président de l'Union européenne, Martin Schulz, pour son soutien et son travail acharné. Et je veux faire une mention spécifique euh, du rôle du Québec euh, dans euh, les négociations et la signature de cet accord. Euh, C'est euh, notre ancien premier ministre, Jean Charet, qui a été euh, dans les débuts de ces négociations, qui euh, a vraiment mis euh, l'énergie dès le début euh, pour pouvoir euh, nous avancer vers, vers aujourd'hui. Euh, et euh, philippe couillard, l'actuel euh, premier ministre québécois, a, a été extrêmement important euh, d'une voix forte pour le québec à l'échelle internationale de travailler directement avec la wallonie et avec d'autres euh, régions francophones pour souligner euh, que c'est un accord bon pour le québec, bon pour le canada et bon pour l'europe. merci, philippe. merci, jean, d'être ici tous les deux aujourd'hui. ce sont leurs accords, sous leurs efforts soutenus, qui ont permis la conclusion de cet accord historique aujourd'hui. Cet accord n'aurait pas été possible sans la persévérance de bien du monde, avec patience et un engagement à servir les Canadiens et les Européens. Je remercie tous et toutes pour le travail acharné et c'est avec plaisir qu'on ouvre un nouveau chapitre sur l'amitié, l'engagement, le partenariat entre le Canada et l'Europe.